Salut à tous, c'est Vince Sky, je suis aujourd'hui avec Teddy Riner. Ça va Teddy? Ça va. Je serre la main. Non, je rigole. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super. Ça va super. Et toi, tu joues de temps en temps ou c'est pas trop ton truc? Si, ça m'arrive de temps en temps dès que j'ai un peu de temps, dès que j'ai de la famille ou des amis à la maison. Ouais, c'est convivial. Voilà. C'est un jeu, voilà, c'est convivial, on s'amuse bien et ouais. Souvent, ça s'embrouille un peu, parfois. Ah non, très souvent, ouais. Ouais, très souvent, ouais, c'est le jeu qui fait. Souvent, très souvent. Qui détruit les amitiés, attention. À chaque fois qu'il y aura un but dans le match, que ce soit moi ou toi qui marque, ouais. On tirera un papier. C'est toi qui vas tirer le papier parce que c'est quand même toi au stade de la vidéo, tu vois. Et donc, il y a le vocal ici et tu tireras. Du coup un mot et en fonction de ce mot tu devras donner un souvenir de ta carrière ou un moment voilà qui te revient comme ça qui illustre bien cette valeur, ce que sera des valeurs. Ok, ça marche. En tout il y a 5 papiers. Essaye d'aller doucement quand même. Ok, on va voir comment ça se passe. Du coup moi j'ai pris le Paris Saint-Germain. Moi j'ai pris le Real. T'as pris le Real. Voilà, on a envie de voir un peu ce qui s'est passé en 2018 voilà. Par rapport au match de Ligue des Champions. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu as des changements ou est-ce que t'es un mec qui lance direct? Direct. Ouais, moi aussi je suis comme toi. De toute façon direct je vais voir si tu joues de temps en temps, si tu joues. Tu vois là c'est pas moi, hein. C'est vraiment c'est de l'ordinateur. Du coup toi sur quel joueur tu vas parier un petit peu Là sur mon équipe. Ouais hein, par rapport au Real. Bah ouais normal hein. Le meilleur joueur du jeu. Et du monde. Et du monde, du jeu, de tout, de ce qu'on veut en fait. Que tu ressens la pression sur ton but là Teddy? Non. Second poteau. Et c'est un corner. Très bonne défense hein. C'est vrai que c'était bien joué de ta part. Ah y'a Cavani, il contrôle, il frappe, lui c'est toujours comme ça, ah ouais. Dommage. Toi tu suis un petit peu le foot etc. Ouais bien sûr ouais. Déjà moi fait que je sois... Ah ouais d'accord, est-ce que tu peux me faire le changement? Parce que je comprenais pas, moi je joue avec la croix. Ah carrément. Non moi je sais pas du tout jouer. Ah ouais toi t'es vraiment d'accord, ouais. Ah ouais. Ah bah c'est pour ça depuis tout à l'heure que... Ouais que je touche pas le ballon. D'accord ok. C'est bizarre. Moi c'est simple, à chaque fois que je joue à ce jeu, à chaque fois je dis tiens fais-moi la croix. Ah ouais du coup il y a tout qui a changé. Donc j'ai jamais appris. Alors pour remettre les choses dans l'ordre, tu pouvais pas contrôler tes joueurs. Voilà. C'est ça que tu mets. Ah bah là oui forcément. Tu vois là je touche le ballon. Là forcément tu touches le ballon. Ah bah voilà, oui je vous disais, c'est bizarre, tu sais vraiment pas du tout jouer. Non c'est ma petite. Merci. Tu suis un peu le foot, ouais, tu disais, oui. Parce que moi je disais, ouais, moi je suis au PSG. Ouais, t'es au Paris Saint-Germain maintenant. Forcément, lorsque on est dans un grand club comme ça, on a accès aussi pour aller voir les matchs. Et ouais. C'est vrai que cette année ils font une pas mal, une belle saison. Ah, du coup, c'était l'opportunité d'aller voir un petit PSG Real. Ouais, bien sûr, je serais présent, c'est obligé. Je pensais pas de refus, j'avoue, un match comme ça. Le départ, Eddy Maria. Qui va percer, je pense. Ouais, dans FA 18, les centres sont très efficaces. Comme tu peux le voir actuellement. 1-0. C'est Neymar de la tête. Ok. Pas hyper réaliste. Du coup, Je dois prendre un mot. Au hasard, un mot, et tu vas nous le montrer à la caméra, juste devant toi. Le mot c'est amitié. Amitié, donc voilà. Là, c'est par rapport au code moral du judo. Hein. Ouais, ça fait partie du code moral, et c'est vrai que je pense que pour tout le monde, c'est un des sentiments les plus purs qu'on peut avoir pour quelqu'un. Ouais, moi, la petite anecdote qui me vient, c'est tout simple. Hein, c'est quand j'étais plus jeune, quand on est en primaire et qu'on commence à avoir plein de copains, je dis souvent à papa, à maman, ouais, est-ce que je peux l'emmener, tout ça. J'ai plein d'amis. Et il disait tout le temps, non mais mon fils, il faut que tu comprennes une chose. Tu verras, écoute papa, c'est des copains que tu as et tes amis. Ah oui, tu oui. Tu verras à la fin de l'année, tu les compteras sur les doigts d'une main. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est super important. Maintenant que j'ai 28 ans, je le sais. L'ami, c'est important et c'est quelque chose. Je vais mettre une barre sur ça qui vient de s'arrêter de parler. Et un deuxième but. Du coup, tu peux finir ta phrase sur l'amitié et après on prend un deuxième but. J'ai de la chance, je te le dis, j'ai de la chance sur ce but. Merci, on est d'accord. Ouais, donc voilà, c'est un truc. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je sais que l'amitié, c'est important. Sacré. Et du coup, c'est rare, limite. Enfin, c'est quelque chose de, tu vois, très pur, très sincère et t'en as pas beaucoup. C'est vrai. Alors j'enchaîne puisque, voilà, la modestie, c'est un truc qu'on nous apprend très vite dans ce sport. C'est un sport qui est très cadré. Hein. Mmh. Mais c'est quelque chose que normalement, on a tous en soi. On est obligé. Pas tout le monde, hein. Parce que quand on regarde certains sportifs, la modestie, surtout là on joue un jeu de foot, c'est vrai que la modestie dans le foot, c'est pas tout le temps présent. Je pense que la modestie, pour résumer qu'est-ce que c'est pour moi, et une petite anecdote, c'est se souvenir toujours de ses forces et ses faiblesses. Ah c'est comme ça que tu vois la modestie. Tant qu'on garde ça à l'esprit, alors on peut parler de soi sans orgueil. En tout cas j'apprends beaucoup, j'ai envie de marquer d'autres buts pour apprendre des nouvelles leçons de vie, tu vois ce que je veux dire. Lady Maria, peut-être t'es la tête, c'est le troisième but là, normalement, parce que Cavani n'oublie jamais la tête. Ah, tu pensais que j'allais pas le sortir? Ouais, t'as bien joué à ça, Karim Benzema. Ouais. Attention, débordement de Karim Benzema. Oh, sauf que t'as une opportunité peut-être avec Gareth Bale. Gareth Bale, le centre. Ouf, les trappes qui sort. Je voulais refaire la passe, mais ça ne passera pas du coup. Ah, tes commentaires font mal. Avec Rabiot qui monte en puissance cette année avec le Paris Saint-Germain. Oh, c'est vrai qu'il a bien progressé. Il est bon, mi-temps. 2-0. Du moment qu'il n'y a pas 3-0 que je suis obligé de lâcher la manette, ça va. Parce que pour toi, la règle, c'est ça, hein, c'est 3-0. 3-0, tu lâches la manette. Hein. C'est vrai que c'est la règle normalement. On est d'accord. On est d'accord. Mais bon, là, il y a encore 3 mots, donc j'essaie de marquer 3 buts et tu finis. 5-0, tu sais. Pourquoi pas un 2-2? Voilà. Ouais, mais un 3-2 pour quelqu'un et hop, tout le monde est content. Ouais. Oh là là, le 1 contre Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va réussir à marquer Teddy Riner? Lâche-toi!
concentré là. Il était concentré dans l'objectif. J'étais obligé de toi sauver l'honneur. C'est vrai. Bon, je tiens le mot pour toi du coup. Voilà. Courage. Courage. Ah bah voilà en plus. Ah ouais, bah. Qui était au bout là. Avec voilà, là c'est, j'ai pris mes. Comment dire, mes couronnes. Plus sérieusement, le courage, bah je crois que c'est tous les jours, hein, se lever. Ouais, c'est pas forcément dans des moments tout un épique, c'est des fois des moments très simples. Ouais, tout simple. Le fait de se lever tous les jours pour aller à l'entraînement, alors que tu sais que bah, tu vas devoir te remettre la même dose d'entraînement que la journée précédente. Ouais, et t'as souffert, tu dois ressouffrir. À chaque fois se remettre dans le. Autant, voire plus. Voilà, donc c'est ça, tous les jours faire preuve de courage pour aller de l'avant et puis surtout progresser. Parce que pour progresser, forcément, il faut en imposer sur le tapis, il faut en imposer lorsque ton entraîneur te donne des chronos qu'il faut tenir. Ouais, c'est sûr. Après, c'est voilà, ça devient une habitude. C'est un rythme de vie au final. Ouais, voilà. Mais bon, ça reste toujours très difficile. Je pense que tu t'habitues jamais à des efforts aussi intenses. Enfin, je veux dire, ça reste toujours des choses. Non, tu t'habitues pas. Moi, il y a un truc, quand mon préparateur physique m'annonce la séance du lendemain ou de la semaine, les séances qu'on va avoir, et je lui dis de pas me le dire. Parce qu'en général, je dors mal. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Parce qu'il en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et souvent, mon entraîneur qui est à mes côtés, qui me dit, il tire les yeux, il fait « Waouh !» Parce qu'il sait jamais quand ça va s'arrêter avec lui. Mais du coup, tu préfères savoir à la dernière minute, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es levé le matin, tu sais que ça va être dur, point. Ouais, ouais, c'est vrai. Comme il me le dit, je dors mal la nuit. C'est genre une compète, quoi. Ah ouais, parce que les compètes, du coup, tu dors pas trop bien. Non, jamais. Parce que tu te fais les matchs, tu gagnes. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant d'efforts aussi intenses, etc., comment tu trouves la force pour continuer, etc., du coup, de toutes ces années, bah, tu arrives plus. Ouais, je crois que c'est parce que j'aime ça. Ouais, ouais, ça, en fait. Et puis, malgré le fait que j'ai déjà tout gagné, tout ce que je voulais gagner, voilà, j'ai 28 ans, je me mets encore des défis, des petits challenges que je kiffe. En plus, surtout quand tu réussis, t'es content. Et tu vas pas mettre un 2-2 quand même. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas le droit de prendre un 2-2, non ! Il va marquer un but ! Oh, le petit filet ! Oh, j'ai vraiment cru qu'il l'action. Ah, c'était bien joué. Le centre là au second poteau. En fin de match, avec une Cavani qui coupe comme d'habitude. Mais il n'arrive pas à rabattre. Il est beau, Cavani, de la tête. Hein. Ah, c'est sa spécialité. Hein. Tête, reprise de volée. C'est boum. Fin de match. Du coup, victoire 2-1. C'était c'est fini. C'est fini. Ah, ça va, ça va. C'est un bon score. 2-1, ça va. Hein. Ouais. C'est honorable. Je pensais que t'allais me déculoter. Tout non, ça. Non, non, non. Tu vois, on a. T'étais gentil parce que tu t'es dit peut-être qu'il va y avoir un match après. C'est gentil. Non, non. Bah, merci beaucoup pour ce match, Teddy. Bah, 2-1, t'as mis ton petit but. Donc, je vais m'entraîner, je reviendrai. Merci au Crédit Agricole d'avoir permis de faire cette vidéo et du coup cette rencontre avec l'un des plus grands athlètes de l'histoire, on peut le dire quand même, de la France. Merci beaucoup et 2-1, graverai ça dans ma tête et je me dis un jour si je t'en croise, on fait la petite revanche. N'oublie pas pour l'instant. Allez, à très vite, salut.